Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Et dans cette vidéo je vais vous présenter comment obtenir une arme back à puncher gratuitement et qui va vous servir blindée pendant toute la map parce qu'elle est vraiment très efficace. Alors si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Mets un petit hashtag like pour que je sache que t'as liké. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Pour obtenir l'arme back à puncher gratuitement, c'est très simple, il va falloir faire des défis. Donc vous avez des banderoles comme ça, des bannières qu'il va falloir remplir. Donc vous en avez 4, donc il y en a 2 ici et il y en a 2 de l'autre côté. Alors pour enclencher des défis, il suffit juste de couper la corde avec votre cut. Donc là vous avez votre bannière qui est enclenchée et vous avez une liste de défis à effectuer. Vous avez 3 défis à effectuer pour débloquer l'arme pack à puncher gratuitement. Donc là c'est tout simplement d'effectuer 5 tirs à la tête consécutifs. Ça tombe bien, je suis manche 1, donc chaque balle va tuer le zombie normalement. Non, 2 balles. 2 balles pour tuer dans la tête. Ah non, quoique là j'ai mis qu'une seule balle. Là aussi qu'une seule balle. Là aussi qu'une seule balle. Ouais, donc c'est une balle dans la tête, manche 1. Voilà, là j'ai fait 5 tirs dans la tête consécutive, donc je peux récupérer un cœur. Ce cœur-là va vous permettre d'avoir une réa automatique gratuitement. Ça, c'est assez stylé aussi. Donc ça, c'est un plus pour la vidéo. Alors maintenant, il va falloir que je tue 13 zombies au couteau. Donc là, je vais tuer tout simplement les 13 zombies. Il faut que vous sachiez que le cœur que j'ai ramassé me permet de me réanimer même si on est à 4. Je peux me réanimer tout seul. C'est une auto-réanimation en fait. Pour savoir combien de défis vous avez déjà réalisé, il suffit juste de regarder la bannière et voir si vous avez déjà un pion en or ou 2 ou 3. Donc voilà, là j'en ai qu'un, j'ai fini qu'un défi. Donc regardez, je vais finir mon deuxième défi. Donc ça va me donner une deuxième pièce d'or sur ma banderole. Donc regardez, à moi. Ah, attendez, je dois aller récupérer mon atout je pense. Donc là ça va me donner des points, nickel. Voilà, j'ai récupéré les points et maintenant j'ai mon troisième défi qui s'est affiché. Et là j'ai un deuxième défi, donc une deuxième pièce d'or pour dire que j'ai fait 2 défis. Donc maintenant, je dois tuer 10 zombies avec votre arme spéciale. Mon arme spéciale, c'est l'arme que vous utilisez quand vous appuyez sur L1 et R1 que vous devez choisir en début de partie. Donc pour la charger, il suffit juste de faire des points et tuer des zombies pour augmenter votre jauge. Et quand vous pouvez l'augmenter, ben vous pouvez activer votre arme spéciale et tuer les 10 zombies pour faire votre défi. Voilà, mon spécialiste est prêt, mais je vais attendre de faire un pack de 10 zombies pour pas user mon spécialiste pour 9 zombies. Ça serait dommage qu'il m'en manque plus que 1. Donc là, je vais tout simplement packer des zombies et utiliser mon arme spéciale au bon moment. Donc voilà, là j'ai au moins 10 zombies devant moi, j'active mon spécialiste et je défonce tout le monde. Allez, boum, boum. Et voilà, défi terminé. Donc là je vais laisser un zombie. Maintenant que j'ai terminé mon défi, je vais pouvoir récupérer mon arme spéciale. Donc hop, enfin mon arme pack à puncher qui s'appelle la Z Harmony. Et regardez, franchement c'est trop de la tuerie. Elle tire blindé vite, regardez la cadence. Et ça va, elle a quand même pas mal de balles, elle a 300 balles. Et en plus de ça, elle fait vraiment, vraiment mal. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mike et ciao. Peace.